Et yo tout le monde, c'est KTR, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rodostampede. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on obtient les animaux secrets de la savane et de la jungle. Donc les animaux secrets, c'est quoi? C'est des animaux de... Il n'y en a pas dans chaque espèce, de certaines espèces qu'on débloque que avec une manière particulière. Donc il y a le buffle secret, c'est lui, le diabuffle. Le zèbre secret, c'est le zèbre de Troie. On va attendre qu'il apparaisse. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah non, mais il va pas apparaître parce qu'il est en reproduction. Donc après, on a le vautour secret, c'est le vautouroïde. Et on a le lion secret, c'est le chef lion. Je vous montrerai après. Donc pour commencer, pour avoir le diabuffle, il faut rester 30 secondes sur un buffle. Ou 30 secondes ou 800 mètres si vous préférez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien sûr, il faut le faire dans la savane. Sinon, ça marche pas. Les gars, c'est plutôt simple. Enfin, il faut avoir un petit peu de niveau, mais c'est assez facile. Surtout que là, il y a quasiment aucun animal. Voilà, il est là, les gars. En plus, il me propose de faire une combinaison. Donc, c'est le buffle diable. Attendez, je vais juste vous montrer. Ah, quand il est en combinaison, on peut pas vous montrer la photo. Bah c'est... Voilà, c'est un diable. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite le deuxième animal secret. Ok les gars, on est parti pour le deuxième animal. Donc c'est le zèbre secret. Le zèbre secret, c'est le zèbre de Troie. Donc il a une armure. Et en fait, pour lui, il faut... Je vais vous chercher 7 animaux différents d'affilée de la savane. Donc là, je fais un buffle, un zèbre, un vautour. Ensuite, il y a une truche. Donc ça fait 4. Buffle, zèbre, vautour, truche. Ensuite, il y a les girafes et les lions. Mais les girafes et les lions, on ne peut les trouver qu'à partir de 1000 mètres. Voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont? Une girafe et un lion. Il manque plus qu'un éléphant. Et normalement, après, il va apparaître. Un éléphant, s'il te plaît. Où es-tu? Voilà, un éléphant. Et là, il est là. Bon, ah, les gars. Bon, je vais pas vous refaire, vous l'avez bien vu, c'est lui, il a une armure, donc c'est comme ça qu'il apparaît. Ensuite, je vous passe directement à la troisième astuce. Les gars, nous voilà pour la troisième astuce. Donc, c'est le vautour secret. Là, j'ai attendu d'être à 1000 mètres parce qu'en fait, le secret, c'est tout simple. C'est même pas vraiment un secret. C'est que il est que sur les gros rochers circulaires. Voilà, il est là. C'est lui, là. Il est que sur les gros rochers comme ça au milieu. Donc, j'ai pas essayé de le monter. Là, vous voyez bien, c'est lui qui est au milieu, là, le droïde. Et ensuite, le dernier, c'est le chef lion. Donc, je vais attendre d'être à 1000 mètres. Ok, les gars, on est à 1000 mètres. On a un lion en face de nous. On va essayer de l'attraper. L'astuce, elle est un peu plus dure là, c'est qu'en fait. Mais tais-toi, toi. Excusez-moi, il y a ma Google Home Mini qui se met à parler toute seule. Bon, j'ai loupé le lion, merci beaucoup Google. Donc en fait, le lion secret, il faut manger 30 animaux avec un seul lion, c'est un peu plus dur. Mais bon, allez. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ah, les gars, mince! Bon, tant pis. Je vais vous remontrer. Mince, les gars, je vous retrouvais pour vous dire que j'étais de retour sur un lion, mais j'ai mal géré. Attendez, on se retrouve tout de suite, un hein. Gros fail. Les gars, j'ai enfin un lion pour de bon. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai bouffé un animal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Il n'y a pas ces animaux, ça va pas le faire. 11. Tant pis, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, purée. 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, les gars, j'aurais pas réussi. Bon, je sais pas si je voulais le faire, j'ai un petit peu la flemme là. Ok, les gars, ça m'a saoulé là. J'ai pas réussi à voir le lion. Oh, bébé Z2-3. Cool. Donc, je vais quand même vous le montrer. C'est le lion en chef là. Pour prouver que j'ai déjà eu. Attendez, il est ouf. C'est pas lui, c'est lui. Non, lui. Chef lion. Donc, pour vous prouver que c'est pas du mytho, j'ai déjà eu, hein, c'est juste que là j'y arrive pas. Donc, essayez, hein, si vous y arrivez, je vous promets qu'il apparaîtra. Il faut manger 30 lions avec lui. Donc, on passe tout de suite aux animaux de la jungle et on va commencer avec l'hippopotame secret. L'hippopotame, c'est un peu comme le buffle, il faut rester 30 secondes sur un hippopotame, mais c'est difficile. C'est plus dur parce que les hippopotames, en fait, ils ralentissent quand ils passent pas dans l'eau. En plus, comme un con, j'ai commencé avec les buffles. Va se prendre un petit crocodile. Un hippopotame! Hop, donc 30 secondes, hein, c'est assez compliqué. J'ai fait qu'une seule fois. Et regardez là, il n'y a plus de cours d'eau, donc je vais être obligé de m'arrêter. Là, il y a encore un niveau d'âme. On va prendre lui. Et donc, l'hippopotame secret, c'est l'hypo-ornithorynque, ou un truc comme ça. Donc, il est vert, il est assez stylé. Par contre, il n'y a pas de cours d'eau là, ça me fait chier. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Bon, les gars, je vous retrouve. Les gars, je suis sur un hippopotame, je suis en train de tunker, je vais essayer de l'avoir. Vite, 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 passe dans le cours d'eau. En fait, des fois, je peux pas aller dans les cours d'eau qui sont tout à droite ou tout à gauche parce que mon doigt il reste bloqué au bout de l'écran. Et du coup, je peux plus tourner. Et là, il y a toujours pas de cours d'eau. C'est super chiant. En fait, faut vraiment. Faut pas que avoir du talent, faut aussi avoir de la chance pour le faire celui-là. Bon, du coup, la vidéo elle sera un peu longue. Bah, comme celle d'hier, sauf qu'elle sera hyper longue et upload. Celle que je vous ai publiée là l'autre fois. Elle a mis 2h30 pour ce. Juste pour ce upload. Oh, il y a une hippopotame, j'ai pas réussi à le monter. On va essayer celui-là. Allez, là il y a de l'eau. Et là il n'y a pas d'eau. Bah oui, génial. Oh les gars, j'espère que ça va pas se finir comme le chef lion. Je vais même pas réussir à vous le montrer. Ah voilà, un hippopotame. Là, il y a pas mal de cours d'eau, ça me semble pas mal. Non, ah si, ça va. Allez, 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 allez. Tu peux le faire. Non! Non, c'est abusé là. Je me ressuscite, j'utilise des pièces. Je suis un pigeon. Je n'ai pas peur de pigeonner. J'ai pigeonné pour rien. Les gars, dernier essai là, sinon je vous montre. Les gars, je vous promets, je suis pas un menteur, hein. Je vous promets qu'il apparaît vraiment, mais. Bon, les gars, je suis une grosse merde. Hein. On va pas se mentir. Le voilà. Va niquer ta mère, celle, sanglier, porc de mes couilles. Ceci n'est pas un hippopotame, c'est un rhinocéros, donc ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Le rhinocéros, plus il défonce des trucs, plus il accélère. Là, il y a un toucan, mais il n'y a pas d'hippopotame. Là, regardez, il y a full cours d'eau, mais il n'y a pas d'hippopotame. Et après, quand il y aura des hippopotames, il n'y aura plus aucun cours d'eau.
Gardez-la. Gardez-la tout à droite, je peux pas le prendre. Voilà. J'ai réussi à l'atteindre. Allez, 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 passe dedans. Purée! Dernier essai là, les gars. Je sais que je me répète, mais là, j'ai envie de vous montrer. Enfin, je sais pas, sinon la vidéo va être pourrie. Hop, on se mouille. Ah, là, ça me paraît faisable vu tous les cours d'eau qu'il y a. Les gars, pile quand je dis ça, je me prends un gros karma. Bon, les gars, c'est nimp, ça m'a saoulé là. Il n'y a jamais de cours d'eau. J'arrive pas. Donc, je vais vous montrer directement l'animal d'après. Vu que ça me saoule. Donc, le rhinocéros. Bien sûr. Le rhinocéros secret, le dinorhino, pour l'avoir, il faut chevaucher. C'est comme le zèbre, mais c'est dans la jungle. Il faut chevaucher 7 animaux différents d'affilée. Donc, on a un rhinocéros, un gorille, un sanglier, ça fait 3. Un crocodile, 4. Un toucan, 5. Manque les hippopotames et les tigres. Ah les gars, j'en ai marre. Ok. On est plus facile, ça, je trouve. Allez. Un gorille. Un sanglier. Là, il y a un toucan qu'on voit. Un toucan. 3. Un alligator. 4. Enfin, un crocodile ou un alligator, je sais pas. Un rhinocéros. 5. Une fois un hippopotame, une fois un hippopotame, une fois un hippopotame. Ok, non, il y a un sanglier. Tant pis. Un tigre, un hippopotame. Plus qu'un gorille, là, et c'est bon. J'ai recommencé le cycle, mais c'est pas grave. Gorille. Non, les gars, il n'y a même pas de gorille quand j'en ai besoin. On recommence le cycle. Sanglier, hippopotame, tigre. Ça fait 3. Ils sont où les gorilles? De base, il y en a plein. Ah voilà. Sanglier, hippopotame, tigre, gorille. Toucan. Crocodile. Il nous faut un rhino, les gars. Il nous faut un rhino. Il nous faut un rhino. Il nous faut un rhino. Un rhino. Un rhino. Un rhinocéros. Non, les gars, c'est une blague. C'est une grosse blague. On est reparti. On est reparti. Cette fois, on a un crocodile. Ensuite, on a un gorille. Je prends d'abord les gorilles avant les sangliers parce que c'est plus commun les sangliers. On a tigre, gorille. Non. Non, non. Crocodile, gorille, toucan. Crocodile, gorille, toucan. Ah, d'ailleurs, je suis désolé pour la vidéo qui sera super longue. Donc, crocodile, gorille, toucan. Non, j'ai loupé l'hippopotame. Ah, mais j'avais pas sanglier. Crocodile, gorille, toucan, hippopotame, rhinodino. Non, j'ai loupé, les gars. Non, j'ai ma technique secrète. Regardez, je me suicide. Si je me ressuscite, et on va attendre qu'il arrive. Vous l'avez vu, le dino-rhino. Non, mince. Bon, tant pis. Et vous l'avez vu, là, il était là. C'était l'espèce de rhinocéros tout noir. C'est pas lui, hein. Lui, c'est un autre rhinocéros. Voilà. What? Les gars, vous avez vu le gros bug? J'ai traversé le mur. On va continuer la partie juste pour le fun. Et ensuite, il y aura plus que le toucan secret. Donc, le toucan secret. Il faut faire un saut de 100 mètres depuis un toucan. Donc, c'est quand même pas mal, 100 mètres. Et après, il faut atterrir. Et c'est le trican, donc le toucan à 3 têtes. Et après, il va apparaître peu après. Voilà.
100 mètres, vous dites, ouais, ça passe. Bah non, c'est énorme. Bon, je vais commencer avec les toucans. Les gars, je suis de retour avec un toucan. Il y a un toucan tacheté. En fait, dès qu'on voit un animal apparaître en haut, ouais, c'est pas assez, les gars. 100 mètres, c'est beaucoup, hein. Le gorille là, est-ce que ça l'a fait? Si ça l'a fait, il va bientôt apparaître le trican. Ouais, ça l'a fait, regardez. C'est lui, c'est le trican. C'est le toucan, mais il a trois têtes. Magnifique. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. On va quand même finir la partie pour le fun. La vidéo là, elle fait un quart d'heure. Elle va être super longue et uploads. Alors. Où est-ce qu'il y a des tigres? On va dire un tigre. Non, c'est un crocodile. C'est un escrocodile. Et on va essayer de trouver des nouveaux animaux quand même. Oh, bébé escrocodile. Ça me paraît pas mal. Ok, les gars. Il y a un tigre, un crocodile. Je suis sur une belle partie, je suis plutôt content. Ok, bah j'ai voulu trop charger, je suis mort. Bon les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. La vidéo 17 minutes, n'importe quoi. Ciao!